Qu'est-ce que vous nous présentez là un petit peu pour savoir? Des jouets, des bijoux. C'est quel prix à peu près? C'est très cher? C'est abordable? Ou pas ça? Vous pensez que c'est abordable? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'achats déjà? Quelques-uns? Oui. Est-ce que vous pourriez me répondre à quelques questions là sur ce que vous vendez? C'est possible là? Hein? Oui? Alors, quel objet c'est ça que vous vendez là? Ça c'est un ensemble pour faire le ménage, pour la poupée. Pour la poupée, d'accord. Et quel prix c'est? 20 francs. 20 francs, c'est pas très cher alors. On peut l'acheter. On vous a acheté déjà des plantes? Ici là, je vois non. Des plantes. Non. Elles sont à combien les plantes? 5 francs. À 5 francs. Elles sont très jolies ces plantes. Et les petits carnets rouges là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est pour écrire? Ou est-ce qu'il y a des chansons dessus? Non, il n'y a pas de chansons, c'est pour écrire. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous vendez là? Je vois un couteau, non? C'est ça? Oui. À combien il est? 10 francs et il sert à quoi? C'est pour quoi faire exactement comme un couteau? C'est pour la cuisine hein? Non. Non? C'est pour... C'est un couteau pour un petit canif. Un petit canif? Et c'est pas trop cher, hein? Non? Non. Non? Vous pensez qu'on vous l'achètera? Oui? Moi, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous avez eu déjà des choses achetées? Oui. Oui, beaucoup? Non, un truc. Ah, c'est pas mal quand même, hein? C'est bien. Alors, je vois que vous avez beaucoup de choses sur votre table, là. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que vous vendez, là? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour mettre les disques. Ah, c'est pour... entre les rayures, oui. Et puis, ceci, là? Ça, c'est pour les petits. On peut peindre des choses, là. On peut peindre des choses, oui. Et on peut l'accrocher par là. Ah oui, c'est très bien. Vous faites cher ou pas trop? Non. Pas trop cher, hein? C'est... Vous avez eu quelques achats? Oui. Oui, beaucoup peut-être, non? Non. Pas trop? Ah oui, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que vous vendez là, de beau? Un peu de tout. Un peu de tout. Beaucoup de livres, je vois, des jeux. C'est cher? Je me semble que c'est un peu cher, non? Vous avez eu des achats? Quelques-uns. Quelques-uns? Est-ce que vous faites d'autres marchés? Non. Non? On n'allait pas ailleurs, hein? Non. Parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu parler de vous. Beaucoup. Ah. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai? Et le petit lapin, là, il sert à quoi? Je vois qu'il y a un creux dedans. Oui, c'est pour mettre les œufs de Pâques. Ah, c'est pour les œufs de Pâques. Oui. Et quels sont les prix, un petit peu, là, pour les poupées aussi, tout ça? Pour les poupées, comme elles sont vieilles, je mets 3 francs. Oui. C'est un franc ou un
4 francs. Alors bonjour mademoiselle, je vais vous poser quelques questions là sur votre étalage. Qu'est-ce que vous offrez un petit peu là? Je vois ceci là, qu'est-ce que c'est? Les cornes. Oui, c'est des cornes. C'est des cornes de chamois. De cornes de chamois, c'est rare ça dans la région ici. Et est-ce que vous avez eu quelques achats? Oui, les pots de moutarde et les deux petits bonhommes qui étaient là. Ah d'accord. Et quel prix vous faites? C'est pas trop cher? Non. Non? C'est possible? On peut acheter alors? Oui. Et il y a beaucoup de monde qui passe? Ici oui. Et vous n'êtes pas trop concurrencé par les autres étalages? Non. Non? Pas trop? Non. Ah bon, c'est très bien. Alors je pense que vous aurez certainement du monde. Hein. Bon, bonjour monsieur. Alors quelques questions pour Image Plus. Alors qu'est-ce que vous nous offrez là? On offre des cubes. Des cubes? On offre des souplats. Oui. On offre des livres. Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que vous achetez beaucoup de choses déjà? Bon, depuis ce matin, moi, il n'y avait que 3 personnes. Hein. Ah. Il me semble que je vous ai vu sur d'autres marchés aussi, non? Oui. Ah, c'est bien possible, oui. Bon, c'est très bien. Bonjour. Alors, vous avez plein de choses là. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu tout ce que vous vendez? Bon, on vend des assiettes, des pots. Oui. De la vaisselle. Oui. Et des jeux. Des peintures sur soie. C'est très joli ça. Jeux. Des jeux. Des jeux et des couverts. Vous avez beaucoup de vaisselle, je vois. Même là-bas, il y a beaucoup de vaisselle. Et est-ce qu'on vous en achète? Oui. Est-ce que ça se vend bien? Oui. Oui, beaucoup. Bonjour. Alors, je vois qu'il y a de très jolies choses ici aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ce sont des masques. Est-ce qu'ils ont été faits à la main? Oui. Dans des écoles? Non, c'est ma salle. Ouh, c'est très bien tout ça. Oui. On vous achète quand même. Ça passe, il y a du monde. Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur cet étalage. Est-ce que vous pourriez me dire un peu tout ce que vous vendez là? Et ça s'adresse à quel âge à peu près? C'est pour qui que vous le vendez? Pour des bébés. Pour des bébés, essentiellement. Et ça marche? Alors bonjour, c'est pour Image Plus. Alors je vois qu'il y a beaucoup de vêtements sur ce parterre là. C'est pour qui? Pour quel âge vous les vendez? Pour tous les âges. Pour tous les âges. Il y a eu du monde? Oui. Oui. Et ceci là, par terre, ici là? Des autocollants. Ce sont des autocollants. Et ça marche aussi? Ça s'achète beaucoup? Oui. Oui. Et le chiffre d'affaires là, vous avez eu beaucoup de récoltes en oui. recette? Oui. Ça se monte à combien à peu près? Bon, ben, il y a une baisse là, 80 francs, mais oui. sinon ça va pas au-dessus. Ah d'accord, c'est très bien alors. Et il n'y a pas trop de concurrence hein? Non? Un peu, hein, quand même, oui, je trouve que, hein, il y a du monde. Allez, c'est...